bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light avec Katox. Salut Katox. Salut. Et donc on se retrouve pour aller découvrir que Attila, de manière absolument pas surprenante, n'a pas contacté les disciples. Et s'est probablement barré avec le masque super puissant machin qu'on lui a ramené. Quelle surprise. La surprise est totale. Comme on en parlait en off, hein, Kyle Crane c'est quand même le héros le plus naze de tout le jeu vidéo. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment... Je sais pas s'ils ont voulu faire un archétype d'anti-héros, mais c'est réussi. Ouais, depuis la seconde 1, où il se pétait la jambe comme un con en atterrissant et où il se faisait défoncer par les zombies. Une lettre. Kyle, peu importe comment tout se finira, ce que j'ai fait donnera à la mère une meilleure réponse à sa question que n'importe quelle recherche qui m'aurait fait perdre du temps. J'étais un ethnographe célèbre. Je suis venu à Aran sur invitation de la femme du colonel affecté ici, le colonel, la mère. Des mots que l'on prononçait ici avec le plus grand respect. Pourtant, au bout d'un moment, ils sont juste devenus Amir et Jasmine. Un mariage heureux, si cela peut exister. Et c'est à sa demande à lui que je suis resté quand tout a dégénéré. J'étais là quand il est revenu pour l'évacuer. Je l'ai vu se faire mordre et quand il m'a demandé de rester, j'ai obéi. Je pensais qu'il voulait que j'abrège ses souffrances. Mais ce n'était pas le cas, il m'a donné quelque chose que je devais lui transmettre à elle, seulement sa santé mentale, cette tragédie ne m'inquiétait pas, mais je ne l'ai jamais revu. Je me suis senti rejeté, abandonné, et maintenant que je vais mourir, je ne peux pas tenir ma promesse. Elle ne veut toujours pas me voir, mais vous êtes différent, Kyle. Vous avez une chance de la rencontrer. Il n'y a aucune option pour moi. Je vais vous laisser ce que le colonel m'a donné, Kyle. Je sais que quand l'heure sera venue, vous prendrez la bonne décision. N'oubliez pas ce code, je vous en prie. Je m'excuse pour les erreurs que j'ai commises et j'implore votre pardon. Mais ouais, je m'attendais pas à ça, j'avoue. Et du coup, il est où ? Bah, il s'est cassé visiblement, mais il a quand même pris le masque, hein, bien sûr. Et il nous la joue, oui, non, mais bon, j'étais un mec bien. Il y a une note là. Ouais. Allez voir ce qui est arrivé à Attila. Ah, il s'est suicidé dans le sous-sol, peut-être ? T'as un moyen de descendre par l'extérieur. Je sais pas. Hop là. Ah, peut-être par là. Ah merde, c'est une zone sécurisée, on peut plus utiliser le grappin, bordel. Ouais, mais on est rentré par le sous-sol, donc il doit certainement y avoir moyen d'y retourner, mais je sais plus comment. Trouver... Oh, c'est refermé ici, sérieux quoi. Ah, belle la grotte par laquelle on était rentré. Mais en fait, c'est la grotte de fin. La grotte de fin. On est rentré par la fin. Ah ouais, mais je pense qu'on avait pas le choix à l'époque. Je pense, ouais, peut-être, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que t'entends par fin, mais... Bah, c'est... Normalement, c'est... Aïe. La fin du jeu ? Non. Non, c'est pas la fin du jeu. Oui, la droite voilà, par laquelle t'es rentré, c'est la... peut-être là. Oh, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a foutu encore, lui ? Attila, what the fuck have you done ? C'est exactement ce qu'il dit, quoi. Crane, I'm at Attila's house. What's Attila's condition, Crane ? Speak. He slit his own throat. He put the mask on and killed himself. Mask ? What mask ? An old red mask I found at the Temple of the Sun. Oh, that old fool used your Crane. What? How? Il s'est suicidé. To find this mask. We know all about it. That wasn't his task, Crane. Attila was deadly sick. There was a cancer eating his brain. He must have become convinced that if he put this mask on and slit his throat, the god of the sun would possess his body. But why? Why would he get that in his head? Qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? That he shall pass through the gates of death, so that he may bring new life. Attila interpreted that to mean suicide, an error that cost him his life. Take the mask, and try to find the... Ah putain, on doit remonter, chercher le livre. Ils sont tous tarés, hein, franchement. Oh là 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 là. J'ai le livre. Oh. La clé psydre. Go, 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 go. Jazir, donc Jazir, c'est la mer, du coup. C'est absolument pas par là. Wind.
Petit pas à footing, petit pas à footing, on est bon. C'est bon ? C'est bon, je suis là. Je te mets sur la carte. Putain, faut qu'on retourne. Bah, faut qu'on retourne chez... Ah oui, d'accord, chez Jazir, d'accord. C'est ce Jazir là. Le Jazir de où ? Bah, c'est le Jazir du début dans sa ferme là. Oh. Avec sa fille et tout. Exactement là où on a popé. En fait, on a chargé la partie là, les derniers épisodes où on s'était arrêté, on avait été jusqu'ici là. On s'était arrêté, on a fermé la partie, du coup là on l'a rechargé et on s'est retrouvé bah, chez Jazir, donc on a fait en off tout le trajet pour revenir, mais... Putain, c'est ouf, quand tu fais ça, ça me blesse quoi. De quoi, l'électricité ? Si je suis sorti, ouais. Il y a des bombes, il y a des trucs électriques sur les montants là. Du coup ça me blesse. Pose pas tes mains sur ce qui est électrique en même temps. Je pose pas mes mains dessus, j'ai les mains sur mon flingue. Sous ton flingue, c'est conducteur, c'est tout. J'ai failli me bouffer l'arme là. Alors, on a découvert que si jamais il y avait un passager, on avait la tête dehors et qu'on passait sur un truc un petit peu trop fin, on pouvait tout à fait se faire éjecter de la voiture et tuer instantanément. Ils ont implémenté ça. Bah, tu te bouffes une branche dans les dents, quoi. C'est ça. C'était beau! Quel artiste! Maîtrise! La maîtrise! Maintenant faut sauter, monsieur. Ben, il est quand même génial ce buggy. Il est solide surtout. Je vais rentrer ma tête. C'est les tuyaux. Ça va quand même cette map, c'est bien. Ouais. Nickel. Ah bah voilà. Hop là. J'en profite pour faire le plein. Je siphonne ta voiture, je remplis la mienne, c'est parfait. Tu peux faire ça ? Non. Ce sera tellement bien, Nat. Jazir, please don't ask any questions. Just hand this stuff to the acolytes when you have a chance. Okay? It's very important to the mother. I know. They told me already. I'll tell them I. Il lève même pas la tête, quoi. Ouais, j'y penserais. Ouais. Ouais, peut-être, éventuellement. Ouais. Et on a plus que une quête de détruire un hydrapass. Bon. Et on retourne là-bas. Ouais, c'est re à l'autre bout du monde. Alors qu'on va faire 2 mètres, il va encore faire. Hey, tu peux venir ? Après, on peut aller genre ici, là, il y a une personne disparue. Voilà. Alright, I'll check it. We know it's a huge risk. This might be our last chance to find what we're all looking for. Hop là, alors on la sélectionne. C'est à peine pas plus loin. Super. Tu veux que je prenne le volant pour changer ? Bon, ça va aller. Ouais, là, ça m'a pas fait de dégâts. Un truc à faire. Attention, ça c'est méchant ça. Ah,
un nouveau pilotage, allez. Aïe aïe aïe. Ah, presque. Je sais pas quel est arrangé cet arbre là. Ouais bon bah tu suis les rails et on devrait être bien. Bah ouais. Je veux bien faire les choses. Aïe, je sais pas où je vais. Wouhou. C'est pas mal fait hein, parce que mine de rien, je suis derrière toi, il y a ta tête qui bouge et tout, donc tu prends des chocs. Voilà. Qui s'est basé? Ah, on s'est retourné. J'arrive. Ah putain, ils te font apparaître à l'autre bout. Ah non, juste là. Okay. Wouhou. Putain, c'était classe. Ça va faire des belles scènes quand même, hein, enregistrer ces trucs. Ouais, sauf qu'on les voit pas, on est dedans. Ah ouais, mais du coup, là, justement... Écoute, t'as qu'à prier la mer et peut-être qu'il viendra t'aider. Un caillou, ça. J'ai pas vu. C'était pas le meilleur endroit, là. Ça y est, c'est remis. Go, go, go. Ouais bah ça a l'air d'être pas mal là. T'arrêtes pas en plein milieu du truc Croxic, tant qu'à faire. Quoi? Comment ça le véritable virus? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh. Je sais pas du tout ce que... Ah d'accord, il parlait de... Très bien. Ils sont costauds en plus les cons. Oh oh oh. Oh putain. Je dépensais un peu moins nombreux que ça. Ah la vache. Ah j'avoue, qu'est-ce qui m'a fait mal là? Il me balance des grenades dessus les fumiers. Attends, je suis en train de me soigner mais je sais pas où t'es du coup. Ah t'es carrément au-dessus, merde, tu vas essayer de grimper. Je me re-soigne. Fais gaffe parce qu'il y en a un peu partout. C'est pas sûr que j'arriverai à temps. Hein. Ah putain c'est fermé. Fumier! Ne force pas, je suis décédé. Je suis mort à cause de tes essais. Balle qui siffle, mais je ne vois personne. Oh, je repars pas très loin, c'est bien. Repli, repli tactique. Le problème, c'est que c'est bien. Putain, mais ils sont combien quoi? Putain, la vache! Mec, je t'ai mis 3 balles dans la tête, faut mourir à un moment. Grenade. Merde, grenade. À l'assaut, à l'assaut. C'est qui ces mecs là? Ils sont carrément en armure de combat là. Ah merde! Écoutez. T'es loin? Je suis un peu près au niveau où t'étais mort. Waouh, quel homme! J'ai bien urbain, il y a un mec juste derrière là. Pourquoi ils ont des. Oh la vache! Les grenades là. Pourquoi ils ont des armes, enfin des tenues de d'armée là.
un qui est au-dessus. Ouais, il est au-dessus, ouais. On est marre, j'ai joué shotgun. Ouais, bah c'est ce que j'ai cru aussi et. Putain, tout en haut l'autre. Genre tout en haut, tout en haut quoi. Putain, et puis en plus ils sont increvables, c'est con. Voilà, c'est bon. Il est tombé là. Ouais, il est bon. Alors, bon, on a fait le nettoyage, maintenant faut trouver le mec. Les flingues, c'est tout naze. Ah, il y a d'autres, d'autres vilains. Oula. Il a pas l'air frais. Attends, mais ils ont planté des clous dans la tronche, sérieusement? Oh putain. Holy fuck. C'est vraiment taré. Quoi. Yes, I'll try to help you. No. Just listen. They're following us. Wanted the cure. Didn't know how to open. So asked about mother. I told them nothing. Don't talk. Save your energy. I'll get you out of here. Lighthouse. Oh putain, mais ils sont complètement malades, hein. C'est chaud. Ouais, j'avoue là. It's Crane. The bandits were in the granary. So was Orkin. They captured and tortured him. May the god of the sun accept his soul. Did he tell them anything? I don't know. He said he didn't. He did try to tell me something about the cure. I guess they didn't know how to open it. So some of it remains. Though they spilled a lot at that field. Do you have any idea where they could have gone? Orkin said something about the lighthouse. I'll take a look. Thank you, brother. If you find those vials, give us a sign. Ouais. Quoi pas. C'est bien parce que c'est un phare qui donne sur la mer. Jusqu'ici, ça paraît pas déconnant. Où sont les escaliers là? Ah, là. Bon, moi je suis descendu, j'ai forcé moi. Ouais, ouais, j'imagine, ouais, parce que bon. C'est parce que, je connais pas la touche du klaxon. Ça passe. Vas-y, c'est bon. Boum. Quatre zombies spéciaux en 500 mètres là. Ah, ils veulent vraiment pas. Kyle, can you hear me? Kyle. Lena, I copy. Go ahead. Kyle, can you hear me? Lena. Hey. Kyle, please, if you can hear me, you have to hide. We're going to lose another floor. Lena, damn it! Fuck, I'm so close. Et eux, ils sont si près de mourir. Bah ouais, en plus, même si jamais un jour on arrive à avoir ce remède, il faut encore qu'on rentre. Ah. Excusez-moi, je passe. Excusez-moi, mon pauvre cadavre. Pourquoi le phare, quoi? Sérieux? Le dieu du soleil.
C'est parce que c'est la mer, et donc tu mets un phare sur la mer. Oh non. Ça c'est un jeu de mots qui marche qu'en français ça. Ouais. Attends, est-ce qu'on peut directement aller tout au-dessus? Non. Merde, c'est un cul-de-sac ici. On peut pas passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Adieu. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, il a trouvé ça intéressant de faire ses trois petits pas sur le mur et puis de sauter vers l'extérieur. Ah, sauter en arrière. Alors qu'il était au-dessus du phare. Ouais, j'ai essayé de passer à l'intérieur, mais étrangement ça ne passe pas. Ça s'est passé par où là, du coup? Bah, je pense qu'il faut escalader là en passant par les fenêtres. Ça a l'air de passer. Oh, le cheater quoi. Mais. Ah ouais, bah là j'en descends pas, c'est bon, ouais. Ce mec me tue. Littéralement. Bon, cela dit, maintenant que je suis là. Ok, qu'est-ce que tu fais, mec? Accroche-toi. Il y a une fenêtre ouverte ou un truc du genre, c'est ça? Non. Zéro stress, hein. Putain, mais c'est quoi la blague là? Ils sont fermés ces fenêtres. Ouais. Recharge le grappin, recharge le grappin. Saute. Non. Non, là, oui, chope-le, chope-le, chope-le. Merde. Recharge le grappin. Un truc m'échappe. T'as réussi toi à grimper? Absolument pas. Pourquoi t'arrêtes pas de faire ça? Il me tue ce mec, putain. Ah. Où ça? Où ça? Ça va, tu réussis pas trop loin au moins. En plus, je suis sûr qu'ils ont pensé à ça quoi. Ils ont fait ah ouais merde, plein de gens qui meurent là, c'est peu. Pourtant ils vont. On va foutre un spawn. Est-ce qu'il y a une foutue truc qui est ouvert de quelque part de choses, de marchands, de bidules? Bah, je sais pas, j'ai pas trouvé de. Pour l'instant, je trouve zéro fenêtre ouverte quoi. Bah, il y en avait une qui était tout au-dessus de l'autre escalier, mais c'était l'autre escalier quoi. Fenêtre ouverte, ah, non, d'accord. C'est pas... Celle-là, elle est ouverte, mais c'est celle-là qui est. Voilà. Et après, toutes les autres sont fermées, non? Bah oui. Putain, quoi. Alors c'est là-bas peut-être qu'elle est ouverte. Et il y avait à l'intérieur, il y avait une grille, hein. J'ai pas vu comment on pouvait passer quoi. Bah oui, moi aussi. Il y a certainement moyen de faire un truc, obligé. Ah non, il arrive pas à le choper hein. Je vais vérifier les fenêtres de cet étage, on va vérifier celle de l'autre. En tout cas, il y a des sacrées mains. Hein. Ah, celle-là elle est ouverte. Là, là, à l'avant-dernier étage, il y a une fenêtre ouverte. Parfait. Zone solo. Ah. Vous allez entamer la partie finale. Cette partie du jeu se joue en mode solo. Pour revenir explorer la campagne et après terminer le jeu, j'arrive avec votre dernière sauvegarde. Écoute, on va arrêter cet épisode là ici et puis on va faire la dernière zone en solo du coup. Bah ouais. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve tout de suite pour tenter la zone solo. Si c'est une zone solo comme la dernière de enfin pas du 1 bah du oui, pas bah DLC oui. Quoi, du core game, il y avait quand même un petit peu de temps à jouer solo hein, donc bah ouais. On va voir. Ça va se faire. Et du coup, on se dit à tout de suite pour la suite. De toute façon, on reste en vocal. Salut.